Yo, c'est pas une vidéo travail, enfin c'est pas une vidéo travail, c'est pas une vidéo sur une explication de mise à jour qui sort 3 ans après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reroll le mode Axeltra. Et je me suis dit, ce serait sympa d'avoir en live la réaction de mes mates adorés. Et bien entendu, j'ai mis le jeu en ultra, mais ça servait à rien. Bref, ouais mais non. Je me suis rendu compte que les vidéos où on me voit reroll X fois à mode Riven, c'est pas fait pour moi. Et pour tout vous dire, ça m'a fait chier. Les seules choses intéressantes de la vidéo, hormis le reroll évidemment, c'est moi qui m'énerve sur les stats que j'ai et qui sont de la merde. Mais pas électrique et pas encore, mais non. On sent que je n'ai pas habitué à rôle. Mais c'est ma première fois que je fais un long roll de ma vie. J'étais bien avec mon Riven Catchmoon à l'époque. Je me préoccupais pas de la méta. Du coup, Azo a accueilli la personne qui a fait la vidéo sur comment accéder au Red Jack. Molière en PLS, a proposé de faire une sorte de Riven Contest sur une arme avec plusieurs épreuves à la clé. Et le gagnant gagne. Ouais, on n'a pas vraiment de budget chez la Django. Quant au perdant, bah il devra faire pour ce Riven Contest 100 vagues en défense avec un équipement choisi par le gagnant. Du coup, le Riven Contest sera divisé en 3 épreuves. La première épreuve est l'épreuve du roll de l'arme. Les deux vont reroll l'arme et celui qui a obtenu le meilleur mode Riven de l'arme de l'Axeltra gagne la manche. Et par souci d'équité, on est parti voir sur Warframe Bracket combien valaient les mods ou une équivalence à ce mode, et celui qui a le prix le plus haut gagne la manche. Je ne vais pas vous montrer ma partie parce que à ce moment-là on pensait pas vraiment faire un Riven Contest. Pour vous résumer, j'ai reroll le mode Riven avec 220 000 de cuva, et Azoak a utilisé 100 000 de cuva. La deuxième épreuve se passe dans la salle de test et les participants devront tuer le plus vite possible les ennemis présents dans le simulacre. Uniquement, bien entendu, avec l'arme du mode Riven et sans utiliser quoi que ce soit. La dernière épreuve est une survie en arbitration où les joueurs devront tenir le plus longtemps possible avec l'arme du mode Riven, avec un build qu'ils auront choisi au préalable, mais avec comme contrainte une Warframe et un lieu choisi par l'autre participant. Et s'il y a égalité, ce qui est impossible normalement, les participants devront customiser l'arme et la plus jolie des deux sera choisie par le jury composé de Taki et Piki, d'autres membres pas très importants déjà qu'on pourra. Bref, bienvenue dans cette première édition du Riven Contest avec Ralagan contre Azwak. Palpitant. Là, t'as un mode de merde. T'as du statut qui est pas mal, et t'as des go greeners. Alors moi, j'ai eu la malchance de tomber sur des dégâts électriques. Est-ce que toi, ça sera la prédic les dégâts greeners? Tir multiple. Oh! Tir multiple, il est pas mal. Après, t'as dégâts électriques. Tant pis, hein. On prend ce qu'on a. On C'est des pense que dégâts là. en soi. Je peux pas cracher dessus. Bon bah voilà. Ah, pas mal! Ça, c'est cool. Tu feras moins de dégâts encore plus, mais tu t'en bats les couilles. Alors là, ce qu'on peut se dire, pourquoi c'est un très bon mode, malgré que, comme on l'a vu, on perd des stats de tir multiple, c'est que là, au lieu de mettre un Riven en plus du build de base, là je peux enlever mon mode de poison. Fait 90%, là je perds un peu de dégâts de poison. Mais je gagne 100 000% de dégâts crit sans enlever de mode dégâts crit et sans enlever de multishot. C'est-à-dire que je vais passer à 177 dégâts de tir multiple, je veux dire. Tout en perdant juste, en fait, juste perdre la stat. Ouais, 14, non, 13. 13 dégâts de poison, et oui les gars, on s'en a pas compté, c'est 13,1 pas de poison. Je perds 13,1 de pourcentage de poison, c'est tout, tout le reste je gagne. Et ça veut dire qu'à la place du mode de poison, je vais mettre un mode comme Viseur d'Argon, qui me permettra de one shot. C'est vrai qu'il faut que je l'achète ou que je la farm celui-là. Ce qui fait que vu que je joue one shot, je vais gagner des dégâts sur toutes les Cette dégâts. esquive, j'ai même pas vu le temps le voir. Oh, donc. Et de toute Ouais, façon. tu peux esquiver ça aussi. Ah, tu fais les pages de frein? Non, parce que 121, moi 121 de recul de l'arme, bon. Ouais, je pense qu'on va rester sur celui-là jusqu'à la fin, je pense. Et c'est un léger changement qui est pas mal. Moins 121% de chance de crit, mec. Vas-y, oh là là. On a mal dodge, on a mal dodge, on a mal dodge. Ah. Ah, même le jeu a bugué. Même le jeu a bugué. Ouh. Dégâts, ouais, c'est Ouf. pas mal. Mais... C'est un dentelure, mais tu perds les chances de crit et les dégâts La crit. seule dégâts, elle est questionnable. Sur la. Comparer en gros la prior stat, c'est dégâts crit. Mais elle est questionnable par rapport à multishot. Le truc, c'est que multishot, il nous permet de proc munitions du chasseur plus souvent. Donc plus de dégâts. Allez, 10 Probablement. divisé par 3, t'as encore quelques essais. 3 un 2 après celui-là. Ah, prends l'autre. Non, j'ai passé dégâts crit. Non, j'ai passé dégâts crit. En vrai, là, je préférerais avoir durée de statut que poison. Parce que j'ai pas envie de remplacer un mode. Non, ça aurait été autre chose, ça aurait été multishot ou dégâts crit, genre. Sur la tête du chargeur. Ah.
Ah. Gne, gne, il me reste 3 rôles après celui-là, le dernier. Ah, oh non, il manque. Non. Et bah voilà. On va pas définir en statistiques, j'ai dit qu'on... que pour définir qui est le meilleur Raven, on fera par rapport aux stats le plus average. Ping le. Oui, clairement meilleur. Je te dis, enfin, je parle pas que les stats sont meilleurs, je te dis que les stats vont être. Enfin, celui qui est dans le point sera par rapport au prix des maths équivalents. Et le tien sera plus cher parce que les stats dégâts crit, chances de crit sont beaucoup plus combattées. Parce que je suis sûr que tu vas gagner, c'est pas. Bah, lance Warfare 4 et regardons combien, quel est le prix de ton mode. Tu m'avais dit que le mode était coûté 1200. Alors 1300, quel... mais c'était à l'heure actuelle. Donc là, on va prendre à l'heure actuelle maintenant. Oh là là, il... tout pour essayer de... Tu peux l'augmenter ou la diminuer. Voilà. Tout pour essayer de gagner, c'est fou ça. Il veut pas faire les 100 vagues. Non, pour équilibrer. Ouais, vas-y. Mais tu vas faire le 100. Non, oh putain. 3500. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire avec 3500 plates? Bah tu gagnes ce point. Yeah, le tien est à combien? Il y a pas de stats exact, mais le plus proche est 2500. C'est à quoi que consiste le test? Alors, il y a une série de mobs à tuer. 4 anciens, 4 bombardiers corrompus, 4 artilleuses corrompus et 4 zéro corrompus. Il faut les tuer le plus vite possible, que ce sera chronométré, sans aucun buff. C'est-à-dire que tu dois enlever ta sentinelle pour pas avoir les modes 7. Tu dois utiliser aucun sort et aucun mode sur ta Warframe qui pourrait booster ton arme. Attends, on a le droit de choisir le stuff sur la sacra ou il faut prendre un stuff de base? Ah non, tu build quoi. T'as le droit à une phase d'essai. Je serais tenté de mettre viral. En fait, ce qui me casse les couilles, c'est vraiment l'armure. Je pense que juste partir corrosif. Parce que je n'ai pas la solution parfaite à ce test. Ça y est. C'est pour ça qu'on a tous les deux une phase d'essai. C'est-à-dire que j'ai des idées, mais je ne sais pas. Mais attends, ça veut dire que si moi je teste le corrosif et qu'on voit que c'est de la merde, ça veut dire que toi d'ailleurs tu vas devoir adapter ton build. C'est pas très légal ça. Ah, mais je, non, mais je peux quitter. Hein, si tu veux. Non, c'est parfait parce que le perdant de la manche précédente peut se rattraper avec. En faisant ce genre de truc. Ok, bah si tu veux. Tu veux commencer par... Est-ce que tu peux commencer par n'importe quel point sur la map ou il faut que je sois un point précis? Oh non, ça c'est... Tu gères tout ton refaire comme tu veux. Attends, par contre, tu spawns à un endroit. Quoi? C'est-à-dire que tu vas le gérer quand tu veux, mais... Non, spawn à un endroit. Spawn à un endroit. On se mettra tous les deux là. Sur la croix, là. La croix, là. Ouais. Et ensuite, tu pars où tu veux, tu fais ce que tu veux après. C'est quoi la première fois je fais autant, vas-y mec. Là c'est t'as une phase d'essai. Hein. Sur tes deux, c'est-à-dire sur tes deux tries, c'est-à-dire t'as ces deux tries, on prend le meilleur. Hein. Tu dois bien. Oh, c'est vrai ça, je pensais qu'on prenait le pire des deux. Je me fais un 3-2, un go. D'accord. 3,9, 3,8. Je rigole. 3. 2, 1, go. Notez ton chrono. 2-23-78. Alors, parle-nous de tes a priori sur comment tu comptes aborder ton deuxième essai. Alors cette fois, je vais mettre projection corrosive sur Inaros. Ensuite, je vais mettre tous les modes. Ah, juste une question. Tu peux mourir juste voir si ça reset Thérèse dans le jeu. Si ça la reset pas. Il y a pas de raise, il y a des raises illimitées ici. Ah, ça a été fixe à l'époque, ça s'appelle comme ça. Ouais, comme me distrait pas. Ok, donc là j'ai full armure, un peu de vitesse déplacement. Je serai un peu plus tanky. Ensuite, pour l'Axeltra, putain, qu'est-ce qui m'a posé problème? Les corpus, ça me pose pas de problème. Je dois juste focus les anciens au prime abord. Ensuite, on se fera le corrosif. Le problème, c'est que je n'ai que 17% de chance de le proc.
Je crois. Attends, je vais tenter le diable. Est-ce que tu es prêt? On tente le diable. Ok, mec. Là, je prends des risques, mec. Je prends des risques, mais pour mes abonnés. Ok. Tu évoques ta pensée ou tu la gardes en là, mec, secret et tu me la révèles à la fin? J'ai mis tous les modes de dégâts possibles. Avec gros calibre, flanc divisé, dentelure. Mon mode Riven. Perçon vital, frappe tendue, munition du chasseur et fusillade de gros. Là, on veut du tranchant, on veut niquer des mers. Est-ce que j'ai déjà joué au jeu Warframe? Oui, t'inquiète pas. Si c'est ta question, t'inquiète pas. Non, mais bon, je... bon. T'inquiète pas. Bon. T'inquiète pas. Tu te mets sur la croix, là. Celle-là. Vas-y. 3, 2, 1. Google Play. Yo! Alors, très ancien, tu meurs. Non, je tombe dans le vide! Oh là là. Oh, je recharge. Mais non, je recharge alors que je viens de tuer un ancien. Mais non, c'est quoi ça? Je suis beau jeu, si tu rates totalement ce. Si tu fais pire que ton premier run sur celle-là, je suis beau jeu et je t'accorde une manche en plus. Enfin, un essai en plus. Mais mec. Je joue. C'est quand même bon. Mais prends tes balles aussi. Oh, vu comment t'es parti, je pense que tu feras pas pire que tout à l'heure. Bah ouais, sur papier, je pensais que tu ferais pire. Ah bah, y'a pas que sur papier. Sur papier, je pensais que tu ferais pire, mais là... J'ai plus de munitions. Vas-y, on va aller en chercher. Mais je ferais pas pire, Escati. Oh. On va voir. Sur papier, je pense que tu fais pire, mais... Et vu comment tu démarres là, tu me surprends. T'inquiète pas, attends, ma dose de surprend. Mais vu le peu de dégâts que tu mets sur l'armure des ennemis. Ouais, bon. Ah. Bon, d'enculé. Philippe! Je sais où tu te caches! Je sais où tu vas mourir! Ah, il a changé de stratégie, il s'est dit je vais camper les munitions. Ah bah. C'est sûrement la meilleure stratégie, hein, honnêtement. Putain. Il se tire dessus, mec. T'es pris pour cible, je sais pas pourquoi. C'est vraiment là. Ils étaient sur ton main. Voici camper la vie. Ouh. Mais pourquoi je reprends la vie? Voilà. Là. Ouais, tu vois, je suis sur moi, j'ai pris une balle en main. Je vais répondre, il va rapprocher ta vie. J'aurais pu le faire assez perdre. C'est très gênant. Je suis à combien d'heures là? 2 minutes 11, hein. T'es pas encore pire que tout à l'heure. Pas tard d'ailleurs. Putain, mais Crocali, c'est vraiment de la merde. Il reste un mob, hein. Pourquoi tu sais, là? Ah non, il reste encore. Tu l'as pas vu. Il reste encore une légion de mob. Ah bah oui. Fini. 2 minutes 34 58. J'ai fait pire. Oh oui. Premier run était à 2 23. Là t'as fait 2 34. Bon, si tu veux un conseil, mec, prends Koro. C'est... J'ai ça. Ah, moi je suis beau jeu, écoute, je suis beau jeu, je te laisse un troisième run. Un troisième run? Oh là là, je suis beau jeu, je suis beau jeu. Moi je garde mes deux runs, mais je suis beau jeu, je t'en laisse un autre. Je suis beau jeu, j'ai comme envie qu'il y a un combat, quoi, qu'il n'y a pas un no-match. Pas être méchant, mais quand j'ai entendu ton mule, je me suis dit. Beaucoup en freestyle, là, je me suis dit. Tu sais quoi, je vais tester Marteau Pilon Poison. Parce que Marteau Pilon, c'est un mode que j'affectionne tout particulièrement. C'est le mode, si on me demandait de choisir. Est-ce que c'est le mode porte-chance? Moi, je me souviens que t'affectionnes un mec qui s'appelle aussi Sharpie. C'est pas un mec, c'est un mode, oui. Ouais, t'as raison, Sharpie. Oh oui, t'as raison, attends, où est-ce que je pourrais le mettre? Je pourrais le mettre à la place de Bichou du Chasseur. Est-ce que tu penses que ce mode que t'affectionnes vraiment, il va t'aider? Je crois qu'il va pas m'aider. Ok, je suis en poison. Poison avec Marteau Pilon. Le bro. Trop là. C'est bon, moi je suis prêt. C'est pas prêt tout de suite. C'est le point de souci de cette étape, c'est qu'il faut tout le temps recette la salle vu que ils ont pas prévu ça à District. Pas et prévu oui. Que les gens qui s'amuseraient à faire des épreuves
On n'est pas des gros youtubeurs avec une grosse production. Ah, Ouais, vous voyez le post-prod là, les gars. C'est-à-dire qu'on a. Ouais. Et oui, on fait là, ça. On fait ça à l'arrache. Ouais, voilà, c'est ça d'être youtubeur indépendant avec 68 abonnés. 68, on est pas 71 à la base. Je sais pas. S'il te plaît, n'enlève pas des abonnés déjà qu'on a pas beaucoup. Non, mais c'est parce que je crois que notre solution est trop rapide pour moi. Ouais. Ah ouais, ouais. On grind trop vite, mec. On est trop. Ouais. Ouais. Combien d'abonnés par jour? Zéro, pourquoi? Ouais, c'est beaucoup quand même, zéro, non? Ah bah, c'est mieux que moins 1. Bah, vous abonnez pas en tout cas. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu besoin de pas de abonnés. Ah, enfin, pas de abonnés, ah oui. Ouais. Ouais, parce que j'ai entendu ne vous abonnez pas, je dis quoi? Tu vois, là, admettons, je serais un youtubeur au million d'abonnés, j'en profiterais, vu qu'on fait pas grand chose en train de se faire ça, j'en profiterais de dire aux gens de mettre un like et commenter, mais comme on a 5 joueurs, compliqué pour les gens de commenter. Dont deux de nos potes et trois inconnus, on sait pas qui c'est. Donc merci à toi, inconnu, qui va peut-être pas voir la vidéo parce que t'en auras rien à foutre de voir un Raven Contest. Je vais sûrement te dire, mais c'est quoi cette merde? Donc. Et les gars, c'est par chance, par je sais pas quel moyen, vous êtes quelqu'un. Qui s'est perdu sur YouTube et qui regarde cette vidéo, sachez que je te souhaite tout le bonheur du monde. Il y a ça, mais il y a aussi si vous êtes quelqu'un, un youtubeur ou un fan, oui. Et que vous voulez challenger l'un de nous, il n'y a pas de soucis, les gars. Wow. Enfin, avec, ça m'étonnerait que cette vidéo montre. Rien de vrai. Ça m'étonnerait d'abord que cette vidéo soit montée dans les temps. Ah, déjà qu'elle soit montée dans les temps et. Avant qu'elle soit. Warframe là-bas. Les trois. En fait, ton challenge sur YouTubeur, j'avais l'impression. Tu vois, ça fait comme l'impression de YouTube, des vidéos sur des YouTubeurs qui font exprès de dire oh là là, mais cette vidéo, ça n'atteindra jamais les 10 000 likes. Oh là là, elle sera jamais vue par autant de personnes. Alors que ça ferait bien que si. Bah, alors nous peut-être. Bah, on dit jamais, mais peut-être que ça arrivera, mais. On n'y croit pas beaucoup. Ok, moi je suis prêt. Ok, tu sur la croix. You are ready to move. 3, 2, 1, go. Merde, mauvais départ de la part du joueur français. Et non, je retourne. Non. Ah, non. C'est exactement ce que je veux entendre. Joueur français. Non, je suis tombé. Arrêtez. Pourquoi? Pourquoi les modes deviennent vénères en simulacre et pas dans le. Je vais pas te mentir, quand j'ai pensé cette épreuve, je savais qu'on allait être ridicule. Je suis ridicule, si ça se trouve, tu vas être le PG. Ouais, bah, voilà, honnêtement, je t'avoue que je sais que j'ai ridicule. Tout putain. Je pense que c'est très marrant de montrer l'envers du décor. Une vidéo montée où on est un peu plus propre, et là, on est un peu. Plus propre, il a dit. Ouais. T'as vu la qualité? J'arrivais pas à avoir une qualité décente sur YouTube, même en mettant VP9. Mais putain, ouais. Il. Ça est propre dans le gameplay, et dans ce qu'on disait. Ah! Parce que là. Mais non, mais. J'en ai pas. Ça tient le faire, hein. C'est une. Maintenant que j'ai éliminé les anciens, je campe. Hein. Il utilise la stratégie incroyable du mode survie. Le mode survie qui paye. Je tire par. Je sais pas où je tire. Il y a des mobs qui prennent des positions stratégiques. Ils se cachent sous des piliers en tout toit. Pour ne pas être atteint par tes balles d'Axel 3. Il y a des mobs qui sont FK. Il y a un mob qui essaie de te viser qui surfe. Il est carrément en train de surfer. Il y a un mob qui est là qui essaie désespérément de te toucher. Tu meurs par le tranchant, baisse ta mère. Toi tu meurs tout court. Et toi tu tombes dans le vide. Et ciao. Fini. Oh non, il reste... 48, 28. Conclusion. Poisson tranchant, ça marche. Ça me permet de d'ignorer l'armure des ennemis qui est casse-couille. C'est peut-être pas la meilleure idée de donner des tips avant que je. Après, écoute, moi je sais déjà mes idées, je pense pas utiliser les tiennes. De toute façon, tu peux meubler si tu veux, parce que j'ai un resetup la salle pour mes runs. Ok, bah je vais. De toute façon, faut que tu fasses un retour sur ce que tu viens de. Bah, je me suis fait enculer.
de manière assez spectaculaire, je tiens à le préciser. J'ai essayé de jouer un build corrosif en me disant que l'armure était le problème de la game. Du coup, je me suis dit d'une manière assez, assez naturelle que j'étais une grosse merde. Ensuite, la deuxième game où j'ai voulu, je me suis dit bon, on va focus les dégâts. Très mauvaise idée, hein, parce qu'il y avait toujours le problème de l'armure. Hein. Et la troisième game, je me suis dit, bah autant jouer sur le corrosif, sur le poison plus le tranchant pour ignorer la vie des ennemis, peu importe s'ils ont l'armure ou pas. Et ça a payé. Et il n'y a pas que ça qui a joué, c'est aussi mes positions stratégiques. La première fois, je manquais de balles, du coup. La deuxième fois, j'ai pu camper à un moment donné dans les munitions pour avoir des munitions et un peu de vie parce que je me faisais latter à gueule. Parce que je prenais trop de temps pour les tuer. Et la troisième. Non, parce que la première, je focusais pas les anciens, désolé, j'ai focus les anciens, mais voilà. La troisième, les anciens m'ont focus, m'ont déglingué la gueule, faut le dire. Et la quatrième, oui, la troisième, c'est... En gros, c'est brouillon ce que je suis en train de dire. Honnêtement, je suis étonné de pas avoir eu de suicide, hein, de part d'Axel. C'est très dur de te suicider avec l'Axel Trap. Oh oui, mais avec les zéros, tout ça. Je sais pas. Après, c'est... C'est mathématique, enfin, parce que j'ai fait un peu d'études en mathématiques, il me semble que quand un objet qui a une trajectoire rectiligne tape sur un objet qui a une surface ovale, elle revient pas forcément tout droit. Je crois qu'elle est déviée à droite, à gauche, en bas, à gauche, mais jamais tout droit. Donc il se peut que je dise que c'est de la merde, ce qui est possible, hein, parce que je suis nul en maths. Si vous êtes mathématicien et que vous faites partie de nos 3 viewers constants, les gars, n'hésitez pas. Ah, vous êtes déjà une exception, déjà. N'hésitez pas à me corriger en m'envoyant un mail avec une lettre de motivation à la clé. Ok, je vais juste expliquer un petit point technique. Est-ce que t'as déjà commencé un chrono à côté de toi? J'ai ma montre. Ok, c'est parfait. Quand je vais te dire go, tu vois là, simulacre. Ah, tu peux y accéder ou pas? Tralala, je ne peux pas. Ah, c'est-à-dire que c'est moi qui dois enlever la pause? C'est pas grave, dès que t'appuies sur pause, tu y vas directement. En gros, ce que tu fais, c'est que tu feras ça. Tu feras ça, attends, tu feras genre... Tu glisses, et ensuite tu sautes. Et là, au moment où je suis au point d'arrêt, tu chronomètres, c'est ça? Ouais, et dès que t'es au sol, je chronomètre. Ok. Très bien. Alors, putain, mais c'est tellement blédard ce qu'on fait. Vas-y. Ah ouais, bah on fait avec les moyens du bord. Parce que j'explique mes choix, j'imagine. Ouais, bah oui. C'est le but, hein, honnêtement. On va partir sur un élément viral plus feu. Ah oui, parce que le nouveau feu peut réduire l'armure de 25%. Et vu que les infestés et les greeners sont faibles au feu, tu leur infligeras plus de dégâts. Eh oui, le 25% de réduction d'armure avec le keep du viral. Hein. Ça se pose, ça sera pas en meilleur run. Hein. On va voir, j'ai deux runs. Si tu vas me battre, faire l'expertise. Qu'est-ce que je vais dire? Fous-toi de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule. Fais pas le malin. Si je vais me faire Kara, ça se fait. Dis-moi quand t'actionnes, comme ça je mets un invisible. Ok, bon. Ok, je suis prêt. 3, 2, 1, go. Go. Alors le joueur français est parti, il commence par enlever les boucliers, ce qui est évident. Il doit reculer parce que sinon il va se reculer par les anciens. Et oh, première mort. Ce n'est pas très grave, le joueur commence. Je vais en mettre invisible. En tout cas, très bon caméraman, je fais. What the fuck? Comment lui a pu me voir alors que j'étais en invisible? Ah, ça m'a fait alors. Oh, dans les balles! Quelle erreur! Et finishing, on va faire là, je pense. Le problème, c'est qu'on a juste du travel time sur le balle. C'est refait aggro. Il reste encore 4 et demi. Oh, je suis toi, terre. Un ennemi qui est down. Encore 3 ennemis. 2 ennemis. 1, 2, ouais, 2 ennemis, ouais. Pas mort. Et voilà. Encore des ennemis qui sortent du pot, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Il y a toujours. Oh, il me tue en plus.
Aïe. Putain. Je l'avais oublié. Je crois que j'ai un bien mauvais timer là. Et c'est fini. 1 minute 33 et 59e seconde. C'est le meilleur contre ton meilleur, non? Ouais, bon, c'est dire. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Non, j'ai envie de faire mon Zemrad. Je suis pas content que je me promis. Bon, bah, ok, vas-y. Putain, tu m'as battu en un run. Qu'est-ce que t'es fort. Mais quel bro. Pas trop de. Après, j'ai l'avantage d'avoir un run en deuxième. Hein. Vu que je gagne ce run, c'est toi qui as l'avantage sur le prochain. Ouais, t'as un avantage. Et oui, j'ai l'avantage sur le prochain. Je suis prêt. Ok. Alors, ok, quand tu veux. 3, 2, 1, 2. Et il est parti, il se lance, il est... Oh merde. Il commence déjà très très mal. T'as tué le premier ancien, mais les boucliers sont encore là. Oh la poubelle. Tu te fais cesser, bah comment en fait? La prise murale, incroyable. Qui what the fuck, c'est quoi cette prise? T'as fait mourir. Ok, tous les corpus. Il reste encore un corpus. Enfin, un ancien corpus. Enfin, bon, un corpus, merde. Et t'es mort. T'es mort à 30 secondes. Oh là là, cette pénalité. J'ai pas le temps, c'est... je préfère quand il y a le stress du temps. Que je sais pas. Quoi? Aïe. Oh, les balles, quelle erreur! Oh non, non. Non. C'est le pire run. Ah bah, je confirme. Pas plus de la pression, mais t'as déjà 1 minute 3, il y a encore des ennemis à terre. Voilà, vivant. Hop, je mets là, je mets ça. Hop. Oh non! 1 minute 15. 1 minute 15, allez, y'a aucun qui sont morts. Ok, bombardier en moins. Deux bombardiers en moins. Il reste le corpus. Non, il reste une artilleuse. Oh, c'est la dernière? C'est la dernière, hein. C'est la 1 minute 35. Non. T'as fait 2... Voilà, t'as fait 2 minutes de what the fuck. 2 secondes de moi. Ah non 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 non. Ah. Non. 1 minute 40. Ah dommage, dommage. 1.40, 1.33, 1.33, 1.59 sera mon meilleur score. 50. Parce que mon deuxième ville était mieux. Je l'ai ressenti au niveau des dégâts. C'était mon placement, je fais CC. Putain, grosse erreur de placement. En vrai, ce qui m'a fait comeback, c'est ma prise de position sur la prise murale. J'étais vraiment là comme ça. Comme ça, en prise murale comme ça là. Ouais, genre, les ennemis étaient tous groupés devant moi, ils pouvaient pas me CC. Bon, ça fait 1-1 partout, hein. On va passer à la prochaine étape. Transition coup de pied. Ok, troisième partie de la vidéo auquel on ça sera un mode endless et dans ce mode endless on va juste explique parce que j'ai la flemme d'expliquer. En gros, on va tous les deux se lancer dans une mission endless. L'autre joueur va spec avec un Loki en étant full invisible. Il va imposer la frame et le point de camp de l'autre joueur qui devra tenir le plus longtemps. Bien sûr dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire des trucs qui restent forcément viables. Alors déjà mon cher Chris, je vois que c'est une survie arbitration en infesté sur Sedna. Alors je vais te choisir comme frame. Oh là là, t'es prêt mec? Ouais je vais. Je vais être smooth, je vais être bien. Et je vais te choisir une frame qui va te mettre bien dans la limite du raisonnable. Goss. J'avais level 5. T'as de la chance qu'il n'ait pas level 30. Attends, Nyx Prime, elle fait quoi déjà? Pouvoir. Ah, il y a du bon contrôle de foule, en vrai, ça peut être pas mal. Mais elle est vraiment dépendante à mana. Ça serait con de la mettre en infesté. Ou alors Frost, tu tiendrais bien, mais c'est pas ce que je veux. Equinox. Ça peut être intéressant, mais t'as pas le droit d'utiliser ses sorts. Ne serait-ce que parfois. Mais... Tu peux utiliser ses buffs. Non, c'est pas intéressant. Amber Prime. Les buffs, ils ont utilisé permanent, hein, je précise. C'est juste les, en fait, pour les règles, il y a
Il y a des les sorts Wavefly, on n'a pas le droit d'être spam. Un roi a un très bon potentiel de boost en solo, en plus d'avoir une bonne survivabilité, mais contre les infestés, tu vas redouter vraiment les dégâts de poison. Et t'as pas beaucoup de vie avec Arrow. Alors j'hésite entre Arrow, qui pourrait être vraiment très intéressant, Atlas, mais non, je peux le mettre. J'ai demandé de jouer Arrow. Arrow, mec. Arrow. Dernier mot. C'est mon dernier mot. Alors je dois faire une dédicace avant de lancer cette mission dans cette émission. À certains membres de Jungle Power. Ouais, qui a mis 35 milliards de formats sur Arrow pour se rendre compte que c'était de la merde. Big up à toi. Je sais que tu as pas regardé la vidéo, mais big up à toi. C'est pas de la merde, c'est juste que... Bon, Arrow. Là t'as tout. T'auras du contrôle de full, t'auras du boost de damage, t'auras de la mana si tu joues bien. Si vraiment tu joues bien sur tes sorts, et si t'as assez skillé sur tes placements, tu vas pouvoir faire un truc. Là c'est clairement la frame, franchement, là je t'ai fait un gros cadeau. Tu m'as fait un cadeau, mais c'est pas non plus le meilleur des choix. Et en vrai, je trouve ton pick intéressant. C'est-à-dire que c'est intéressant dans le sens où il love du spectacle. Il love du spectacle. Que tu m'as pas donné, genre, quand t'as dit Nyx tout à l'heure, la frame est pas nulle. Et en fait, le problème de Nyx, c'est que certes, c'est pas la meilleure des frames, parce que comme tu l'as dit, elle souffre de manque de mana, mais elle offre pas beaucoup de spectacle. C'est à moi de bien jouer. C'est à toi de bien jouer, mec. Il reste 9 minutes par contre, c'est à toi de bien jouer, mais faut pas t'éconner non plus. Dépêche-toi. Allez, oui. Donc, deuxième partie, c'est que je choisis un point de camp pour l'enculé. Pour un point de camp. Vas-y. Faut pas que tu mettes une demi-année, hein. Si je fais du point de camp pour terminer. Attends. J'ai envie de mettre le jour minimum parce que j'aime pas l'effet jaunâtre sombre. Ça risque de me rendre pas très bien sur YouTube. C'est pas pour rien que depuis quelque temps vous voyez les vidéos au minimum. Oh, dégueulasse, c'est parce que c'est la seule manière d'avoir un truc potable sur YouTube. Parce que je connais pas vraiment. Le meilleur encodage. Et quand je demande à des youtubeurs français de Warframe, je citerai pas de nom, on se prend des vents. On y va. Ah là là, tant pis. Donc, tu peux pas camper ici parce que c'est un point de camp assez intéressant pour l'Exultra. Ici, ça pourrait être pas mal. T'es vraiment au fond acculé. Non, il te faut une place pour le skill. Bonjour. Ici ça pourrait être pas mal. Ici ça pourrait être pas mal. Ok. Ouais, c'était là. Ici t'es bien. Ouais. T'as une capsule de survie si ça t'est une drame. T'as tout. Je te regarde. Mais je pense que ça va être tranquillou. Hein. C'est vraiment pas, je sais pas. Ouais, mais non. Quelle erreur. J'ai failli troll. J'ai grid. Tiens, de lancer un sort parce qu'il y a des mobs encore. Alors pour le moment, je peux me permettre de bouger assez pour reculer et tuer les drones. Le truc, c'est quand il y aura beaucoup d'anciens qui vont me grab tout ça. Si t'arrives à survivre pendant au moins 10 minutes de plus, t'auras une bonne wave kill, t'auras beaucoup de mobs qui arriveront en masse. Du coup, t'auras pas de problème pour le système de survie. En fait, t'auras le problème des mobs, mais dans 10 minutes. Après, vu que l'Axeltra a très peu de balles, va falloir bien jouer. T'as pas beaucoup. J'ai l'exus. Non, mais je vais dans ton chargeur. T'as beau avoir des balles pour tirer, elle a pas assez de balles pour DPS de manière... C'est pour ça, j'ai déjà fait le mode opératoire, je sais pas si t'as vu. Avant je tirais en full, là je commence à tirer que par rafale. Parce que depuis que je tire par rafale, ça bon, se passe. Vu qu'on est potes, fais gaffe au système de survie. Hein. Ah t'inquiète. En vrai j'avais pas vu. Mais j'allais regarder. Ça aurait été plus bas, j'aurais perdu. Et là t'as utilisé la fameuse technique pour gratter 2% de plus. Tranquille. Toi ça te fait free loot hein. Comme ça, ouais, tu peux profiter des drops. Au moins, t'es pas juste là, tu vois, pour rien. Attends, y'a une transitus qui m'attend. Bah, tu vois, notamment le petit genre de loot. Ah, ça fait du bien, ça. Comme ça, on a des excuses pour spell. J'ai des excuses pour spell. Ouais, genre, t'as besoin de transitus, viens tourner une vidéo. Allez, on fait un Raven contest. Viens. Ouais, depuis que je suis en mode rafale, tout se passe bien mieux. Hein. Je fais plus pêche du tout. Sauf quand je casse un sort. Peut-être vraiment gris d'une part par l'armée tellement tu vois. Je crois que ça va être ton plus gros souci. Ah! Ah, t'es chanceux! Quoi? Parce que l'apocalypse respawn devant toi. Ah, je pense qu'en fait. Oui! Putain! Tu peux tuer là. Pas besoin, j'ai ma sentinelle. Par contre, je comprends pas pourquoi ma focus moi. C'est là. Oh, mais quel bro. Il lit l'arbitre. Ouais.
Et quel bon. Non, il y a pas de frappe sur l'arbitre, hein, mais bon, les mobs, ils... faut pas savoir. Hein. Y a pas de mode spectateur, ce qui est dommage. Ah, si y en a, mais c'est quand dommage. Tu meurs. Y a pas de mode où tu joues avec la caméra, tout ça. Ah non, j'adore. Je me dis, on pourrait peut-être servir de ça des petits des systèmes, là, les observateurs. J'ai essayé une fois, c'est de la merde. Après, je sais pas si ça a été amélioré. Ouais, c'est de la merde. Peut-être qu'on peut faire ça des prises de vue sympas. Je sais pas. Qu'on essaie, tu vois. Ça y est. On a... Non, là, les gars. Comme les youtubeurs Amixem et compagnie qui utilisent des drones pour faire des plans majestueux, on va utiliser des observateurs à 500 crédits pour faire des plans dégueulasses parce qu'on saura pas l'utiliser. C'est vraiment 100 crédits ou 10 crédits limités, quoi. C'est vraiment un truc. On se ruine pour vous, les abonnés. Il est temps de nous rendre l'appareil. Faites des dons. Fait... Oula, mais tu t'épouches là. Ouais. Arrête, quand les anciens poussent à gauche, là, c'est. Ouais, je suis en train de voir ça. Hein. Quand même pas si safe que ça en vrai. Tu peux te permettre d'aller sur la gauche pour amasser les systèmes. C'est un piège en fait, il va se mob là-bas avec des dots de poison. Il y a un peu des deux. Je les avais vus mais j'avais pas calculé en fait quand je t'avais dit ça. J'étais juste vraiment en mode vas-y va prendre les drops. Excuse-moi. Allez, une petite tête de l'arbitre. Dites-moi bien. Ah tu ramasses les systèmes. Ouais. Ponctuellement, en fait, ponctuellement, soit je pense qu'on va mettre une nouvelle règle. Ponctuellement, soit je te demande soit je te mets un bonus, genre je de ramasser les items, soit je te donne un malus. Je sais pas quel malus je pourrais te donner. Mais en fait, il y a un truc qu'on a pas défini. C'est qu'on a rien défini, on a lancé ça en mode random, on s'est dit tiens, on va faire ça. Ouais. moi je pense, l'arbitre, s'il peut donner des bonus, ou quoi, il y a le droit d'activer les consommables, quoi. Pour X plus de risque, quoi. Ah ouais, oui, genre, si l'arbitre reconnaît qu'il y a beau jeu ou quoi, tu dis t'as le droit d'utiliser, je sais pas, genre un spec, quoi. Ou alors je peux t'aider à je peux te faire utiliser un spectre. Ou alors je peux t'assister pendant un temps. C'est pas la vache. Ouais, des trucs comme ça. Bah écoute, si t'arrives à ne pas utiliser tes sorts pendant 3 minutes, je t'assiste pendant 2 minutes. Non. Non ? J'espère beaucoup, mais ça. Plus. Je le dis, plus. J'aurais pu accepter l'aide comme ça, mais. Mieux, de 15 minutes à 25 minutes, 13 minutes à 25 minutes, t'as pas le droit d'utiliser ton téno, ton opérateur. Allô. Ok, vas-y, let's go. Je sais, ça. Et à chaque bonus réussi, tu gagnes plus 1 dans le score. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Genre, tu fais plus 1 dans le score final. Pas de téno pendant. Ah, ouais. Je vais activer les capsules. 100. Et là, ouais. Je vais essayer. C'est 15%. J'ai une petite idée. C'est vraiment un chargeur de Battle of the Eh, mais c'est de tuer l'arbitre. Non mais oh, ça tient sur moi. Allez, montre un point. Yes. Ah là là. On l'a vu, hein, c'est le sorbier. Ouais, je le spot pour vraiment te le dire. Bon, je le vois depuis tout à l'heure, c'est juste que je veux vraiment le faire sans téno. Et je pense que je n'aurai pas le choix. Je peux pas activer une capsule. Et bah, bonus perdu. Non. Oui, bonus perdu. J'ai cru que t'avais terminé ce temps perdu. Oh, j'ai vraiment activé dernier 0 au dernier temps là. Bah, tu perds moins un point. Ah, je gagne pas le point. Ça essaie de négocier ? Non, mais tu vas je gagne pas le point bonus, c'est pas que je perds un point en plus. C'est une carotte là. Tu tires plus en rafale, tu tires en continu. Ouais, j'aime pas le temps de recharger en fait là. Il y a trop de grappins de droite à gauche et on n'a pas de protection anti-grappin. C'est le problème, là c'est le tra. Et je vais pas vous mentir, mon haro n'a pas de coque rhinochus sur lui. Là c'est vraiment c'est un grappin, un coup de mêlée, je suis mort quoi. Malgré que tu joues pas assez son passif, non n'empêche. Hein. Non, je joue pas beaucoup sur ça. Je veux jouer un minimum beau jeu. Je pourrais être spam abuseur de CC ou quoi. J'userai mes sorts quand ce sera nécessaire. Allez, un petit bonus, je récupère les drops. C'est vraiment je récupère les drops, hein, c'est. Y'a rien d'autre. Hein. Y'a rien d'autre derrière, hein, c'est. En vrai, là, on est pas sur une mission facile, mais on a avec une arme très forte. Honnêtement, si jamais plus tard on passe sur des armes un peu moins fortes. Parce que là, on voit vraiment que j'ai pas de soucis avec lui ou quoi. Bon, certes, les mobs sont pas encore très haut level, mais il faut pas oublier que je suis en solo. Surtout on a pas de protection sur ça. Surtout qu'ils viennent très très loin, les mobs. Et que là, les mobs arrivent comme à push. Bon, après, c'est parce que je les stun pas ou quoi. Ok. Ils arrivent comme à push. Parce que j'ai quand même une arme god tier avec un Raven. En tout cas, c'est très gentil de ta part d'XP à ma Destreza. Ouais, c'est
ça, ça me va être au moins un bonus, ça. Écoute, si t'arrives à faire en sorte que Modeste Reza se lève à 25 à 19h30, je t'assiste pendant 30 secondes. Oh non, j'active. Quelle erreur, quelle erreur. Oh non, quelle oh non, erreur. Mais j'ai trop tard, non. Quelle erreur. Il a grid, et du coup, il a perdu. Oh là là. 18h48. Quelle erreur du joueur français qui se dit être dans le top 9 dans le classement et qui a perdu. Oh il a perdu, même pas dans un event, il a juste perdu dans un vieux mode de jeu. Un simple mode de jeu. Très basique, hein, les gars, très basique. Hein. Alors là. Oh, gnagnon, nous faisons des vidéos de ça, tuto. C'est le karma. Ça, c'est... Alors... le karma. C'est le karma que j'ai dit que je maîtrisais totalement la rentabilité de capsule. On a vu ça. C'est le karma. Le karma, t'as dit TG. À mon tour, vas-y. Attends, déjà, c'est quoi comme survie? Survie au Rokin. Bon. Bonne chance. Alors, bonne chance, Je vais partir sur un bonus. Écoute, bonne chance. Écoute, je vais prendre en considération que tu m'as pas donné non plus une frame atroce. Tu m'as pas donné une salle atroce. Je vais prendre ça en considération. Ouais. Je proposais des frames s'il n'allait pas formater. Ou faut quand même que t'es pas forcément que t'es 6 formats dessus, tu vois. Genre mon Haro, je vais pas le full opti non plus. Et que tu puisses quand même mettre des modes dessus. Ouais. Ouais. Pas que tu sois en mode SDF. En vrai, en beau jeu, je vais attendre, j'étais quand même contre des Orokin. En arbitration. Korak est pas mal, mais je sais que tu l'as pas. Enfin, pas. Tu connais pas trop la frame, je veux dire. Je l'ai crafté, mais je l'ai pas prise. Je peux bien essayer de la jouer de level 1, mais bon. Tu vas perdre après, écoute. Ça voilà. Les cas, de toute façon, ça ne changera pas grand chose en vrai. Ouais, bien sûr. Très fort. Donner Necros Prime. Necros Prime. Oh, mais Necros Summon, mais tous les jours. C'est ton dernier mot. Un truc très fort. Dernier mot, Necros. Par contre, dis-toi que c'est toi que je choisis aussi la salle. Ouais, là, c'est moins fort d'un coup. Ouais, mais j'ai aucune arcane qui est intéressante en fait. Si je marque. Ah, principe. Principal. Je sais même pas accélération. Pff, ouais, ça sent le mec qui a spammé les boss de loin. C'est waouh, c'est incroyable. Hein. Là, c'est pas une balle dans. C'est pas une... Enfin, je viens de me tirer une balle dans le cul là, mec. Qu'est-ce que je te fasse, gros? C'est. Oh bah. C'est pas moi. J'ai rage et grâce, c'est incroyable. Je pourrais partir beau jeu. Tu sais quoi? Force the good game. The beautiful game, comme on dit. On enlève exhumation. Et à la place, on met adaptation. Et là, j'hésite pour mon build. Vu qu'il y aura de l'armure, il y aura de tout. En fait, il y aura de tout, sale con. Putain, il y aura de tout. En vrai, si j'arrive à tenir plus de 18. Oh non, mon objectif vraiment, c'est de tenir plus de 18 minutes 48. Il faut que j'arrive à tenir 18 minutes 48. Pour ça, je pense que le mieux, ce serait de partir pas viral, mais directement corrosif. Corrosif, ça me permettra de tenir l'early un peu le mid, et de battre ton record. Du coup, je vais partir court. Je suis prêt. Je voulais jouer beau jeu, mais. En soi, je joue beau jeu, je regarde pas ça, mais c'est juste que j'ai très mal joué sur ma team. C'est qui ce PD qui rejoint? En plus, c'est les Darkness. Attends, parce que là, il y a mal entendu. Je sais bien qu'il faut un peu d'aide pour Rokin, mais pas à ce point-là quand même. Là, je suis très easy, là. Surtout pour 18 minutes 48. Ouais. Allez, on active ça. Tu veux ramasser de l'énergie sur les orbes. Ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est moi qui active, hein, vu que c'est moi qui expecte ce counter, c'était à toi. Alors, cette salle-là pourrait être pas mal. Grande salle pour Necrosuit, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il faudrait mettre à. Ouh, pour faire bouger, je sors. Ouais, si, toi là-bas. Non, là-bas, je pense. Ouais. Ok, bon, on va partir sur la salle, okay. Sur la toute première salle carrée. Alors, moi, je vais me mettre sur le toit. Sur le toit. Ouais, tu sais, via des petits glitches. Enfin, pas glitch, je sais pas. Le hors map. Ça. Un grand moment. Putain, ma mana part extrêmement vite. Là, je lancerai des bonus, t'inquiète pas. Là, c'est juste trop tôt pour en lancer, je pense. Des bonus à partir de 5 minutes. Ok. J'ai déjà des idées de bonus, t'inquiète pas.
ne pas utiliser mes armes. Ah non, non, mais je peux te spoil le premier bonus si tu veux. Vas-y. Ça sera de ne pas utiliser la profane pendant 10 minutes. Ah, je l'ai perdu, parce que j'ai pas de mana. Ah, t'as pas mis l'exhumation. Non, non, j'ai dit j'ai joué le beau jeu. Le beau jeu, c'est la mana, se fait utiliser partout, par mes sorts. Je pense que tu vas remporter. Ouais, bah attends, fais, attends le karma, fais gaffe, attends. Ah putain, c'est vrai que la santé me sert pas beaucoup en fait. Exhumation aurait permis d'avoir ma santé plus vite. Oh là là. Putain, mon build est tellement placé. Y'a aucune synergie dans mon build. Fais des erreurs de build aussi. Donc dans 8 secondes, si tu veux tenter le bonus. Appelez-moi. Maintenant. Ok. Pas de profane pendant 10 minutes. Et je gagne quoi en fait? Un point. Puis je viendrai t'assister dans le... Oh oh! Non, mieux que ça. Ça. T'as le droit d'invoquer un spectre. J'ai pas de spectre. J'ai invoqué un spectre, mais pas les plus. Pas des trop forts. Je ferai spawn un moi. Je pense. Ok. 8%, allez, je pars activer, je reviens. Oh là là. Fais vite, hein. Fais vite. Ça va, il l'a fait. La technique. Allez. Je pars activer. Ah, trop loin. Trop loin. Je suis un reporter de guerre, moi, là-dessus. Pas trop loin non plus, puisqu'il y a une capsule qui va spawn ici. Oh, j'ai fait me tuer à cause de. Ah là là. Une mort sur un suicide d'Axel 3, ce serait bon. Hein. J'ai plus mon ulti. Ah, ça transpire déjà. Ah, j'ai pas le choix. Ça transpire. Ah là 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 là. Il a réussi à sortir cette situation. On va-t-il engager la suite de cette mission? Il n'a qu'à 8 minutes de jeu, on le rappelle. Il doit tenir 18 minutes 45. C'est ça? 45? Ouais, 18 minutes. Ne me déconstre pas, c'est. Il doit tenir environ 10 minutes 45. Il a déjà été dans des positions défavorables. Ah bah. Le Necro Summon qui n'a pas le mode exhumation car il s'est sacrifié pour le beau jeu. Va-t-il réussir à remonter ce système de survie? 18%. Passer les 18 minutes. 10%. Je réinvoque. Et je vais chercher. Mais non. Ah, j'ai totalement oublié lui. C'est qui ce gars? Non, j'ai jamais le temps. Si, ça peut être. Il a stressé, il est tellement stress, il est qu'à même pas 10 minutes. Mais non, mais il est fort, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Attends, ça fait 10 minutes là, je peux réactiver un profane? Bon, ça t'a 15 minutes que tu verras juste d'un profane. Putain de merde! C'est la 15! Mais putain, mais la prochaine capsule elle est à 2 minutes! Mais non, mais Vore! Mais Vore! Oh là là, Vore! Je vais te perdre du temps sur toi! Ouais, meurs! Allez, petite tête, je ping, bah il est mort! Ouais, bah merci pour ce ping! Tu allais faire tes 100 vagues, j'ai juré hein. Ah j'y croyais pas, mais vu la performance que j'ai fait, je... Sans vagues. Crois, Mehdi. C'est pas sûr que tu vas gagner. Un accident si vite arrivé. N'oubliez pas conduire en étant ivre. On va quand même mourir. J'ai pas de mana. 14 sous. Si l'erreur est faite, ce sera pas sûr. 14 secondes, 13 secondes, je suis obligé de l'activer. Putain, mais la prochaine capsule est à 30. Oui, parfait. Oui. Non! Mais non! Bah, j'ai perdu. Bon, c'est parfait. Vive-moi. Oh, j'y croyais pas. Hein.
Putain, je croyais vraiment que j'avais perdu, depuis comment j'ai perdu. Ah bah, terrible. Terrible nouvelle, hein. Et c'est ainsi que Ralagan aura donc faire 100 vagues en défense sur Benelus dans le Void, avec comme équipement Frost, Lortos Prime, Zenith et le Catch Moon, choisi soigneusement par Azorak. Mais pas maintenant, la vidéo est déjà trop longue et j'ai la flemme de monter le reste de la vidéo en plus de faire la défense. Du coup le reste de la vidéo sortira après ma séance de dépression. Sur ce, à plus.